Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis hyper contente parce que je viens de recevoir ma commande chain. Elle est énorme. Enfin, rien qu'à côté de moi. Enfin, et en plus, elle est hyper lourde. Du coup, je pense que vous avez compris, on va faire un haul. Voilà. Le seul petit problème, c'est qu'il y a un trou là. Du coup, ça c'est hyper chiant. À chaque fois que je reçois vraiment, ça c'est le point négatif. C'est à chaque fois que je refais une commande chain, il y a toujours un trou quoi. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais perdu des trucs. J'espère que là, rien n'est passé par là. Mais bon, je vais tout vérifier. C'est bon, du coup, j'ai tout vérifié. J'ai tout éparpillé sur mon lit. Je vais vous montrer comme ceci. Verdict, il n'y a rien qui est passé dans le trou. Du coup, comme d'habitude, j'ai eu de la chance, donc trop bien. Donc c'est parti. Je sens que cette histoire va m'essouffler. On se part, on va commencer avec une robe. Ou au pire, on commence avec tous les t-shirts à la robe à la fin. Non. Non, d'abord la robe. Petite robe, violette, fleurie. La matière est très spéciale. Est-ce qu'elle va pas m'aller trop grande? Regardez, elle est trop mignonne. Elle est comme ceci. Mais bon, bref, c'est parti, on va essayer cette robe. Elle est longue. Ouais, elle est longue. C'est parti. On a changé de place parce que de là-bas, on ne voyait pas très bien en entier. Donc voilà la petite robe très mignonne. Voilà. Quand je prends des trucs à bretelles sur Shein, je prends tout le temps des trucs avec des bretelles réglables. Parce que sinon, si elle me va trop... Si c'est un peu trop grand, au moins, je peux régler là. Et du coup, là, bah, c'était grand et j'ai réglé à ma taille. Et donc, attendez, je m'approche. Donc là, elle est comme ça. Les petites fleurs. Elle est violée avec des petites fleurs comme ça. Et elle arrive là. Donc voilà. C'est la seule robe que j'ai pris. Ah non, j'ai pris une autre robe. Ah, ça c'est pour mon anniversaire. C'est le thème bleu et noir. Donc je vais mettre des chaussures noires. Je me suis dit avec une petite robe bleue, ça peut faire très sympa. Voilà, toujours avec des bretelles réglables. Donc elle est comme ceci. Elle est trop belle. Donc voilà la petite robe qui me va à merveille. Du coup, je suis trop contente. Regardez, avec le croisé comme ça, ça fait super beau. Et j'ai dit que j'allais faire des accessoires après, mais vu que je compte mettre ça avec cette robe, j'aimerais voir ce que ça donne. Donc, elle est comme ça. Et regardez, c'est beau, hein. Et après, j'ai une petite épingle qu'ils m'ont donnée avec. Bon, flemme de la mettre maintenant, mais en gros, après, je mets l'épingle là. Et voilà. Birthday Queen. Bon, ensuite, je crois que les robes... Ah, après, j'ai des combi shorts. Ouais, on va essayer ça. J'en ai trois. Trois combi shorts. Ouais, j'en ai trois. Bon, ben, on va essayer les trois. On va commencer par une petite, comme ça, jaune. Avec des petites fleurs très mignonnes. Hein, toujours en mode printemps. Avec toujours des bretelles réglables. Hein. Voilà la petite combinaison. Elle est un tout petit peu grande ici, là. Mais en vrai, genre en vrai, ça va. C'est pas choquant. Hein, c'est pas choquant, vous me dites dans les commentaires, mais ça va. Ensuite, ben après, j'ai plus de robe. Ah, j'ai les combi shorts. Voilà. Donc, j'en ai pris une, deux pareilles. Je vais essayer les deux, comme ça, vous voyez ce que ça rend les couleurs sur moi. Donc, ça, c'est pareil. Très basique, des petites combi shorts. Ça, c'est vraiment pour rester à la maison en mode cycliste. Donc une rouge et j'ai pris la même en jaune. Voilà. Même taille, hein, XS les deux. Voilà, c'est parti, je vais essayer ça. Clairement, je suis pas hyper fan. Il y a mieux. Genre, il y a mieux. Mais bon, pour rester à la maison ou quoi, en vrai, ça passe. Mais c'est juste en fait les plis là que j'aime pas trop. Mais après, c'est très confortable. On va pas se cacher, on est hyper bien là. J'ai l'impression que je suis toute nue. Enfin, avec les moyens du bord, mais j'avoue que c'est transparent. Voilà, bon là c'est pas grave, en dessous j'ai une brassière, mais on va pas non plus abuser quoi. Mais elle est très mignonne sinon. Le seul truc dommage, je la préfère déjà la rouge, je sais pas, je trouve la couleur elle me va mieux. Mais après, voilà, au pire je la mettrai voilà, par-dessus un maillot, un truc comme ça. Beaucoup de voilà, mais voilà, je la mettrai par-dessus un maillot. Mais sinon elle est très mignonne, je la préfère à la... Dommage qu'elle soit transparente, mais elle est très belle.
Sinon, ensuite, j'ai pris une petite... c'est un short jupe un peu blanc. Du coup, c'est parti, je vais essayer ça. Attendez, je vais me baisser parce que c'est mieux. Elle est comme ça. Je crois que c'est un short normalement. Ouais, c'est un short. Oui, je vais juste essayer un petit haut avec. Voilà, comme ça au moins j'ai un haut. Donc c'est un petit top très basique. Toujours avec des bretelles. Ça c'était au cas où la robe bleu marine, enfin bleu électrique, n'allait pas m'aller. J'allais mettre ça avec un pantalon patte d'éléphant pour mon anniversaire. Du coup voilà, c'est comme ça. Basique, avec toujours les petites bretelles réglables. Du coup, je vais mettre ça avec, juste pour vous montrer les doigts. Voilà. Alors, le petit short volant, comme ça. Très mignon, ça fait un peu, genre, le terme bouffon, là, un peu comme ça, un peu large. Mais en vrai, ça va. Voilà. Et le top, il est comme ça. Très basique, et il me va très bien. Donc, je suis contente. Et c'est parti, maintenant, on va essayer ben, tous les t-shirts, il y en a plein. Ah, je vais essayer lui, c'est un vert kaki comme ça, un basique, voilà, c'est parti. Il est trop beau, franchement pour l'instant, un sans faute, c'est incroyable. Je suis choquée de vous Shane, choquée de mes choix, j'ai fait des bons choix, du coup je suis trop contente. Alors là vraiment, je suis trop contente. Ensuite, alors j'en ai pris au moins je crois 3 ou 4 pareils. Voilà, j'en ai pris 4 pareils, c'est 4 hauts là, crop top. On va essayer les 4 comme ça vous voyez bien la couleur que ça donne sur moi. Donc c'est des petits hauts basiques, trop mignons, avec des petits boutons blancs. Puis ça ira trop bien avec ça, avec la petite jupe là. Donc, oula ça a l'air un peu grand quand même non? C'est très large là, il y a moyen, on verra. J'espère qu'ils m'iront, j'en ai pris 4. Donc j'en ai pris un orange flashy. Un, je mets tout par terre. Hein. Un lilas. Un orange saumon. Enfin, en saumon. Pourquoi je dis orange? C'est un saumon comme ça. Voilà. Et le dernier, un bleu marine. Bleu électrique. Non, plus bleu marine celui-ci. Comme ça. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu, mais voilà. C'est parti! C'est incroyable. C'est un sans faute. J'ai cru que ça allait m'aller trop grand, que ça allait être transparent ou quoi. Eh ben non. Très mignon et très joli. Je suis trop contente des petits boutons avec ça. Par exemple, ça va très bien. Ou avec un short noir ou n'importe quoi. Noir. Blanc. Même noir en vrai, ça passerait. Et là, en même temps que je vous montre tout, je montre aussi tout dans ma story privée sur Snap où il n'y a que mes copines dedans. Et il y a une copine qui a eu une grave idée. Mes petites combi shorts là où je n'étais pas très fan du bas, surtout le rouge, elle m'a dit de mettre avec une jupe. Et comme ça au moins en dessous de la jupe j'ai un short. Vous voyez, on sait jamais si la jupe elle s'élève ou quoi. Et après c'est comme si j'allais avoir un haut rentré dans la jupe. Et elle est pas trop bête en fait cette copine. Hein. Parce que c'est vrai que ça pourrait faire super alors sympa. Ce haut, mais qu'est-ce que j'ai avec le bleu en ce moment? Surtout le bleu foncé comme ça. Mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon et c'est trop beau. Et je préfère largement cette tenue. Genre le haut saumon là, il est très joli, mais ça ira mieux avec un short blanc basique. Mais avec celui-là, là, c'est mieux celui-ci. Il est trop beau. Très, voilà. C'est parti, on va essayer. Voilà, toujours aussi beau. Couleur lilas pour l'été en plus, c'est magnifique. Et en plus, ça va trop bien avec ça, ça aussi. Et voilà, en plus, ça va bien avec mon bronzage. Enfin, voilà. Bon, ben voilà, le orange hein, aussi, trop mignon, trop beau. On adore. J'aime beaucoup le orange. Ça va bien avec mon bronzage. Enfin, j'ai l'impression que tout me va avec mon bronzage. Bref, allez, un autre. Alors j'ai pris ça. Ne me demandez pas, mais j'avais envie d'un truc hyper coloré. Du coup, ben, j'ai pris un haut, mais genre ça fait hyper Outer Banks et tout. Alors ça, avec un short noir. Genre pas avec ça, avec un short noir, ça pourrait faire super beau. On flemme de mettre un short noir, mais... Ou au pire des cas, je remets mon cycliste. Je remets mon cycliste noir que j'avais au début de la vidéo parce que sinon, vous n'allez pas avoir l'idée dans la tête. Et il est trop... Enfin, il est hyper coloré. Voilà. Mais j'aime trop. Il est trop beau. Il est hyper coloré comme ça. On a du saumon, du rouge, du bleu et du jaune. Très mignon. Voilà. On adore. Ensuite, il nous reste un... Ah, il nous reste deux hauts.
Donc, lui. Attendez. Bon, pas avec le cycliste, hein, avec genre un short bleu ou quoi. Il est comme ça avec des petites fleurs bleues et tu peux le resserrer ici. Et franchement, ça peut faire hyper beau. Du coup, c'est parti, je vais l'essayer. Donc voilà le petit haut, il est trop beau. Il est mignon, il est basique, tu peux le resserrer comme tu veux. Tu peux le remonter ou le remettre vers le bas. Perso, moi je pense que je vais le remonter jusqu'à la maxi parce que sinon ça fait... Moi je trouve ça pas très joli si je le remonte trop. Mais voilà, il est très mignon. Comme ça. Et ensuite, le dernier haut, il est où? Ah, il est là. C'est un petit haut rouge avec des fleurs blanches. En plus, il irait super bien avec le petit short comme ça, là. Enfin, le petit short jupe, là, blanc. Mais flemme de le remettre. Du coup, je vais le mettre avec ça, mais il est vraiment trop beau, en plus. La qualité, mais c'est incroyable. Regardez, il est trop mignon. C'est parti. Bon, voilà, c'est super joli. Franchement, j'adore. Comme ça, il me va parfaitement, il taille bien, j'adore. Voilà, ça c'est bon pour les hauts. Et maintenant, j'ai pris 5 maillots. Alors, il y en a 4 identiques, mais pas de la même couleur. Et un pas du tout pareil, mais vraiment pas du tout le même style. Du coup, on va commencer par cela. Je vais commencer par essayer le vert. C'est un vert fluo flashy comme ça. Super beau. Donc la culotte, elle est comme ceci. Tu peux resserrer ça, ce qui est bien. C'est pour ça que je les ai pris en fait. Parce que les maillots, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà. Oh, il ira trop bien avec mon bronzage cet été. Je serai encore plus bronzée. Et ça, vous voyez, je garde pour ranger mes maillots après. En plus, c'est trop beau. Hop, il y a marqué bikini dessus. Je vais pas vous montrer le bas parce que c'est très, ça fait très string, vraiment. Genre ça là, c'est... Regardez, genre c'est, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper string. Du coup, j'achèterai des bas uniques noirs comme ça parce que je trouverai jamais un bas basique vert comme ça, le même exactement, je le trouverai jamais. Du coup, j'en prendrai un noir basique. Et exemple pour le rose, j'en prendrai un exemple fleuri avec des fleurs roses. Et pour l'orange, j'en prendrai un avec des rayures orange. Le jaune, pareil, je prendrai des bas différents mais qui iront bien avec le haut parce que le haut, franchement, ils sont très mignons, ils me vont plutôt bien. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Faites pas attention à ma tête. Là, je suis en train de faire le montage. Et en fait, je voulais juste vous dire que j'ai parlé beaucoup trop vite. Parce qu'en fait, le bas, il me fait pas du tout string. Mais vraiment, il me va hyper bien. C'est juste moi qui l'avais mal serré. Et du coup, voilà, je vous mets un petit TikTok de moi. Que j'avais avec le maillot jaune. Que vous verrez dans la suite de la vidéo. Mais du coup, que le haut. Et en fait, vous voyez que ça fait pas du tout string. Et voilà. C'est pareil, hein, c'est basique, très mignon, j'adore. Bon, le bas par contre, hein, voilà. Mais sinon, les hauts, ils sont très beaux, hein, vraiment. Voilà, le orange, c'est pareil, très mignon, très basique. Franchement, on adore. Franchement, lui, c'est mon préféré. Il est trop beau, il est vraiment comme... depuis le début de la vidéo, j'ai ça, mais il va trop bien avec mon bronzage. J'adore, il est trop beau. Du coup, j'ai essayé le dernier maillot, c'est pas du tout le même style. Alors juste ça, c'est à moi. Je voulais juste vous montrer, en fait, j'ai pris ce maillot par rapport à ça. Pour aller à la plage ou quoi. Genre, en fait, là, il y a du rouge, du bordeaux. Et du coup, j'ai pris un maillot de la même couleur. Alors, je vais vous montrer le maillot, bien sûr. Mais je voulais juste vous montrer ce que ça donnait en dessous de mon truc. Qui vient pas du tout de Shein. Je crois que ma tata l'avait acheté en Thaïlande. Donc, voilà, très beau. Voilà comment il est, le maillot. Il est taille haute. Comme ça. Et il est super beau. Genre, attendez, je vais pas vous montrer non plus, voilà. Mais au moins... Lui, il est taille haute. Et voilà, il est très beau. Vraiment, je l'adore. L'heure est arrivée pour que je vous montre tous les accessoires. J'ai tout mis dans ça, là. Pour éviter de les éparpiller de partout. Alors là, j'ai mis les sacs. Je vais commencer par vous montrer les sacs. Après, tous les petits bijoux. Alors, le premier, c'est un beige crème, comme ça. Il est marqué Jinpen Piju. Je le trouvais sympa, ça va avec tous les tenues, ça. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. Et on a notre petite languette, comme ça, réglable, que tu peux mettre... attendez, je baisse un petit peu le téléphone. Que tu peux mettre ici, là. Ah oui, il faudra largement l'agrandir, il faut que j'agrandisse tout, là.
parce que ça fait petit. Mais sinon, voilà. Quoique, en vrai, ça va. Il est très mignon. Il est crème, comme ça. J'en voulais un basique. On adore. Ensuite, j'ai pris lui. Avec des motifs géométriques, là. Noir et blanc. Oh, il est vraiment très joli. Comment on trouve ça, parce que... Ah, vous en mettez ça. Lui aussi, hein, il est trop mignon. Regardez. Je voulais des petits sacs pour l'été, comme ça, je trouve ça hyper sympa. Mais il est vraiment hyper beau, hein, par contre. Vraiment. Il est flashy, flashy. Il est trop mignon. Moi, j'adore juste pour décorer ta tenue, quand tu mets une tenue simple. T'ajoutes ça et direct. Et tu peux le mettre comme ça aussi, je crois. Faut que je fasse passer ça, là. Enfin, bref. Il est très mignon. Voilà, et le dernier, c'est un petit fleuri. Je me suis dit, ça, avec si je m'exemple une tenue toute blanche et que d'un coup j'ajoute un petit truc, un petit accessoire flashy, et ben voilà, et pour le printemps, il est trop mignon, regardez-moi ça. Bon, j'avoue qu'en photo, il paraissait beaucoup plus gros, enfin un peu plus en tout cas, mais il est quand même très mignon. Regardez, il est fleuri et la qualité, franchement, j'adore. Hop. Où je ferme ça. Et voilà. Comme ça, et bien sûr, bah, t'as ça, là. Attendez, vous savez quoi? Je vais le mettre parce que... Et voilà. Bon, hein, je l'ai un peu déformé, mais... Il est très mignon, ça aussi, voilà, avec une petite tenue. Hein. Trop beau. Donc voilà, mes trois petites merveilles... Petite trouvaille très sympathique. Hop, n'hésitez pas à me dire votre avis sur les commentaires s'ils sont activés, parce que des fois ils sont désactivés. Et ensuite, je vais vous montrer tous les accessoires. Hop. Alors, il y en a pas mal. Ah. Alors, j'ai pris déjà juste pris les petits cache-tétons parce que, en fait, pour la danse, en gros, là j'ai danse. Et c'est bientôt le gala de danse. Et pour le gala, en gros, on a un costume un peu transparent. Et du coup, avec un petit cache-téton comme ça, ça fait grave l'affaire. J'en ai pris, il y en avait plusieurs couleurs. Moi, j'en ai pris des comme ça. Enfin bref, après, ça colle. Et comme ça, et c'est trop bien. Vous savez, quand t'as juste envie de mettre une brassière et que tu vois la trace, et ben tu mets ça et c'est parfait. Style caporal un peu, hein. Alors, ils sont pareils. Celui, il a les mains un peu crocodile, là. Elles sont trop belles. Regardez. Je voulais trop des ceintures comme ça. Bref, voilà. Si vous verrez tous les enfin, tous les sachets Shein, ça pollue, ce truc, en plus. Basique, hein. Je ne me suis pas trop cassée la tête. Et elle est trop mignonne. Elle est comme ça. Voilà. Parce qu'elle est sale. Et ensuite, bijoux. Alors, j'ai pris un petit bracelet. Mais pas trop mignon, attendez. Je voulais trop un petit bracelet comme ça, ce sera la mode. Ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris un... Alors, j'ai pris... Je me suis lâchée sur les colliers. Mais je sais pas pourquoi. Hein. De tous les attacher, mais faites genre, il n'y a pas ça, là. Et regardez. Il est incroyable. Oh, j'adore. J'ai pris lui. Voilà. Ensuite, plutôt très long. J'en voulais un long comme ça. Il est trop beau. Et en fait, je vais m'acheter le... Vous savez, le collier avec les menottes, là. Je vais me l'acheter. Et je vais mettre celui-là avec. Et ça va faire super beau. Avec les menottes argentées. Je vais me l'acheter en noir, je pense. Très joli. Je vais parler, c'est peut-être un peu plus long, mais... Ça va. Ça va, ça va. Mais bon, je le trouvais mignon. Genre ça, avec... genre ça... Exemple, vous voyez, ça fait trop beau. Bref, je mets jamais des tours de cou si je mets pas un long. Là, j'ai enlevé parce que j'avais pris ma douche et tout. Mais normalement, je le garde. Ah ben, il est où? Ah, il est là. Voilà. Ensuite, j'ai pris des chaînes. Toujours, hein, toujours, toujours. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça en plus. Oula. Des petites chaînes basiques. Comme ça, on adore. J'adore. Une argentée, une dorée. Ensuite, d'abord, je vais montrer ça. Alors, celui-là aussi, je voulais un long collier. J'avais vu lui magnifique. Avec des diamants et tout. Je me suis dit, obligé, je l'achète. Sinon, regardez.
Regardez. Les petits diamants. Il est trop beau. Oh, attendez, je peux le faire passer. Oh, ah, lui, il est beau. Hein. Avec une tenue, là. Et avec lui, là. Même avec lui, là. Vu qu'il y a un petit rond. Tu sais, ça fait rappeler le rond. Waouh. Incroyable. Avec des diamants. Il est... Bref, du coup, voilà, il est magnifique. Et ensuite, j'ai pris un truc toujours dans le thème Outer Banks, coloré pour cet été, magnifique. Donc, c'est ça. Regardez, attendez, il est à l'envers. Là, il y a une petite rose magnifique. Il est incroyable. En ce moment, j'aime bien les trucs comme ça. Et il y a ça aussi avec, hein, que tu mets là. C'est tout ça ensemble. C'est trop beau. Incroyable. Et ensuite, j'ai pris des bracelets colorés aussi pour cet été. Je sais pas pourquoi, mais je voulais trop des trucs colorés, genre vraiment. Et alors là, en mode Sayuna, quoi. Attendez, ma soeur, elle est fan de Sayuna. Maria, viens voir. C'est incroyable. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai pris des bagues, mais je voulais prendre des bagues colorées. Et du coup, voilà. Il y en a plein. Oh, purée. Il y en a des comme ça. Ça me fait délirer ces trucs parce que, genre, ça me fait penser. Je vais dire à ma jeunesse, à croire que j'ai 39 ans. Et il y en a des belles. Hein. En plus, elles sont resserrables. Alors, il y a elle. Ensuite, il y a elle. Elle, je suis moins fan, tu vois. Elle, elle est mignonne. Les petites bagues. Oh, je peux la mettre là, elle. Ah ouais, elle, elle est belle. Et ensuite, je vous montre les argentées d'abord. Hein. Ensuite, il y a elle. Et il y a la petite toune comme ça. Et toujours avec les petits cœurs. Elle. Et après, il y en a des comme ça. Vous voyez? Des comme ça, là. Que je peux mettre un peu partout. Je vais montrer à ma soeur, vous allez voir. Elle va venir après. Je vais lui dire, regarde, ça t'es pas pensé à quelque chose, tout ça? Oh non, je veux, ça me fait délirer, c'est trop beau. Regarde, ça t'es pas pensé à ce lune-là, tout ça? Tous ces bracelets-là. Regarde, les bagues. C'est quoi ça, c'est des bagues? Ouais. Bref. Hein? Ouais. Regarde les bracelets là. Je dirais ça une fois. Tu veux le deuxième pour faire un cord avec ça? Si tu veux. Lequel? Ce que tu veux en fait. Regardez. Ouais. Elle est trop belle. J'ai pris la Chez Glam Révolution, la Rainbow. La Rainbow parce que je voulais absolument elle. Oh, je suis choquée comment elle est belle. Regardez. Attendez, on va voir si les couleurs sont pigmentées. Oh, non, mais non. Tout ça, non, mais non. Regardez. Ils sont grands, hein. Elle est incroyable, la palette. Ah, je suis trop contente. Bon, je vais pas encore parler, parce que la vidéo va durer 30 minutes et demie, là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, quand même, cette grosse. Qu'est-ce que tu sens, toi, regarde ça. La palette, elle est vraiment hyper belle. Abonnez-vous, likez, commentez et bye pour une nouvelle vidéo. Bisous. Attendez, avant de terminer la vidéo, j'avais oublié de vous montrer un collier. Il est comme ça. Il est très mignon aussi. Il est trop beau. J'ai pris beaucoup de colliers comme ça assemblés. Voilà, bisous.